Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo et ce sera pour vous faire mon haul spécial anniversaire. Donc je vais juste vous présenter ce que j'ai reçu pour la FIMO dans ce haul là. Donc la vidéo sera pas en deux parties mais en deux parties dans la même vidéo étant donné que je ne reçois pas les paquets en même temps. Donc j'ai fait deux commandes, une sur Palenco et une sur Après Création. Donc je vous mettrai les liens des boutiques en barre d'infos. Et donc j'ai déjà reçu une des commandes, donc je sais pas laquelle c'est, je vais découvrir ça avec vous parce que j'ai pas ouvert. J'ai reçu ça dans un carton comme ça, bon vous voyez pas parce que il est trop grand pour le champ de la caméra. Donc j'ai pas encore ouvert, je vais juste en fait enlever le scotch hors caméra pour... pas perdre trop de temps et voilà. Donc je tiens vraiment à vous préciser que c'était vraiment une commande pour l'anniversaire, ce qui fait que le budget est plutôt élevé, voilà, mais c'est vraiment à l'occasion de l'anniversaire et c'est des commandes pour un gros montant que je ne fais vraiment pas souvent, une fois dans l'année je dirais, une à deux fois maximum par année. Donc voilà, je ne fais pas cette vidéo pour me vanter mais pour vous partager avec vous tout ça. Donc même si j'ai fait un haul il n'y a pas longtemps, voilà, c'est à l'occasion de l'anniversaire et je voulais quand même vous faire cette vidéo là. Enfin bref, assez parlé et donc j'ai retiré le scotch et j'ai juste ouvert pour voir quelle boutique c'était et donc c'est Après et Création qui m'envoie tout ça. Donc je vais juste enlever la facture parce que j'ai pas envie que vous voyez mon adresse, je pense que c'est... Donc voilà comment se présente toute ma commande. Donc j'ai vraiment commandé beaucoup de choses. J'ai eu pour plus de 100€ sur... j'en ai eu pour exactement 102€ avec les frais de port. Donc voilà, et la facture fait 3 pages pour vous dire. Donc je vais tout de suite commencer, sinon ça va vraiment être trop...
voilà pour toute ma commande sur le site après création. Donc voilà, j'espère que cette commande déjà vous aura plu. Et bah, je vous laisse tout de suite avec la commande Perle & Co. Donc je voulais juste vous dire que si j'ai pas le même vernis, tout ça, c'est parce que je sais pas quand je vais la recevoir. Donc voilà, soit je la reçois peut-être après, soit je la reçois demain, soit je la reçois après le week-end, parce que là on arrive au week-end. Enfin bref. Donc voilà, donc juste ne faites pas attention à cela et je vous laisse avec la fin de la vidéo. Donc je passe maintenant à la commande que j'ai reçue de chez Perle & Co. Donc je m'excuse pour mon vernis parce qu'il est tout écaillé. Mais ça fait plusieurs jours en fait que j'ai reçu, ça fait plusieurs jours que j'ai reçu ma commande après la création et je viens juste de recevoir ma commande Perle & Co. Donc voilà, donc ça se présente dans un immense carton. Donc désolé si vous voyez le trépied, mais voilà, vraiment un gros carton. Donc j'ai déjà tout retiré, mon adresse et tout ça. Donc voilà l'adresse de Perle & Co. Et je vais juste l'ouvrir hors caméra, mais je vais rien déballer de plus. Parce que vous pouvez voir qu'il y a vraiment beaucoup de scotch. Donc je vous retrouve juste après. J'ai déjà récupéré la petite facture. Et pour ceux que ça intéresse, j'en ai eu pour en tout 66,31€ et j'ai eu mes frais de port gratuits parce que j'ai fait une commande de plus de 50€. Donc je trouve ça vraiment très très commerçant de la part de Perle & Co d'offrir les frais de port. Surtout que j'habite en Suisse, généralement les frais de port sont offerts mais pour la France. Et là c'était offert pour la Suisse aussi. Donc voilà, vraiment très contente. Et donc il y a il y a quand même pas mal de produits. Mais bon, tout ça, je vous en dis plus après une fois que... Voilà mon colis bien ouvert, donc vous pouvez voir qu'il y a une bonne couche de protection, donc c'est du papier, je sais pas comment dire, vous voyez c'est un peu ces cartons zigzag, mais n'empêche ça protège assez bien, il y a une bonne épaisseur. Et voilà ma commande, donc je vais vous faire le détail dessus. My love has got humor, she's a giggle at the funeral, was everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's a lot of sweet mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolute, she tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well, yeah. Amen, amen, amen. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Over me that death is death, and good God, let me give you my life. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Over me that death is death, and good God, let me give you my life. If I'm a pagan of the good times, my love is the sun. Donc voilà pour ma commande après création et Perle & Co. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je tiens encore à vous préciser que ce n'est pas pour me vanter. Et donc désolé de la longueur de la vidéo, mais c'est juste que c'est dur de se mettre bien dans la vidéo quand vous devez la tourner en deux fois avec parfois 4 jours de décalage entre les deux prises. Donc voilà, je m'excuse pour ça si je répète un peu les mêmes choses, si je m'embrouille. Enfin, voilà. Donc je tiens aussi à vous dire que... les résultats du concours seront samedi et voilà, j'ai pas encore du tout déterminé les gagnants-gagnantes étant donné que le concours se termine aujourd'hui. Voilà, vous pouvez encore m'envoyer jusqu'à ce soir vos mails ou me mettre votre vidéo. Donc voilà, je verrai par après. Enfin voilà, je vous fais d'énormes bisous, j'espère vraiment que ça vous aura plu et
à samedi pour les résultats qui vont être plutôt attendus, je pense. Donc voilà!